Donc Fernando, voilà. Petit rappel, cette photo, d'où elle vient? En fait, j'étais dans la rue, tranquillement, je me baladais. Et je tombe sur quoi? Sur ce panneau en bois. Visiblement, il y a eu des gens qui ont fait des dessins dessus. Et voilà, les traces qui restent. Et je me dis que là-dessus, entre le jeu des couleurs et le jeu qu'il y a entre ces droites, on doit pouvoir trouver quelque chose. Donc, j'ai un peu réfléchi. Et finalement, je vais encadrer uniquement, j'ai cadré uniquement cet espace-là. Alors, pourquoi? Voilà ce que ça donne. Tac. Du coup, là tu vois bien l'interaction qu'il y a entre la courbe et les éléments obliques ou verticaux. Et en fait, non seulement il y a interaction, mais aussi interpénétration. La courbe va se lever entre les différentes droites. C'est pour ça que j'ai appelé la photo sinusoïdale, parce que c'est cette courbe qui donne le sens à l'ensemble de la photo. Bon, ça c'est mon mode de fonctionnement, ok? Super. Maintenant on écoute la musique que tu as fait là-dessus, une petite manip, hop, et on écoute. Alors, recommence. Avec la musique, j'utilisais le logiciel Ableton Live avec un instrument analogue pour recréer la mélodie, ce rayon qu'on voit ici. Et pour retrouver la sinusoïdale, utiliser un effet stéréo. Donc avec un casque, on peut l'apprécier correctement. Pour le casque, c'est pourquoi? Pour la stéréo? Pour le stéréo. Okay, ouais. Pour l'extérieur, pour avoir la sensation de cet effet extérieur. Donc le mouvement. Le mouvement, exactement. Donc on a la sinusoïdale, on a la mélodie avec les rayons un peu électriques. Et voilà. Ok, bah, impeccable, non? Merci. Merci à toi.